Yo, salut les gamers, comment ça va? Moi ça va, Nishmel Chrome. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier let's play que j'avais annoncé déjà il y a un bon bout de temps. C'est sur King Kong, donc voilà, j'ai trouvé un jeu entre guillemets un peu plus original que Borderlands ou les jeux les plus connus comme Far Cry, BF et tout ça. Il y a beaucoup beaucoup de monde qui font ce genre de let's play et j'avais vraiment envie de trouver quelque chose. Comment dire, d'unique en fait, parce que j'ai pas vu vraiment beaucoup de let's play en facecam, enfin commenter tout ça sur YouTube, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire un truc bien sympathique sur ma chaîne. Pour une fois, j'enregistre en 60 FPS et en 1080p, donc les qualités, enfin la qualité de vidéo sera maximale, on va dire ça comme ça. Le jeu, franchement, je l'ai terminé déjà sur PS2 parce que bon, je suis un vrai gamer, hein, je suis pas un petit gamer qui a commencé il y a 2 ans. J'ai commencé à l'âge de peut-être 8-9 ans d'avoir mes premières consoles. Et là, c'est vraiment des très 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 bons jeux auxquels j'avais envie de rejouer. Enfin, certains de mon enfance surtout. Comme Red Faction, c'est un jeu de mon enfance auquel j'ai joué sur PS2 énormément, énormément d'heures. King Kong, c'est pareil, j'ai joué énormément d'heures dessus. Je crois que j'ai terminé 2 fois le jeu. Pour le reste, je crois que c'est. Ouais, non, j'ai fait quoi encore? J'ai fait les Metal of Honor et ça, je vous l'avais dit, je vais faire le Metal of Honor Soleil Levant. Et le Metal of Honor, c'est comment encore en première ligne. Pourquoi? Parce que j'y ai vraiment bien accroché. C'est un des premiers FPS que j'ai fait. Sans parler sur PSA, parce que j'ai fait le Underground sur PSA. Mais sinon, voilà. J'espère que tout ça va vous plaire. Et que ce petit changement de let's play va vous plaire aussi, puisque c'est des jeux assez vieux quand même. Donc voilà. De toute façon, là, le jeu, il va commencer. Enfin, j'espère. À ce que je me rappelle. En tout cas. Donc là, on arrive sur l'île, hein, Skylight Land, Iceland. Et pour l'époque, franchement, le jeu était vraiment bien fait. Mais maintenant, c'est une grosse, grosse licence. Parce que Peter Jackson, King Kong Official Game, c'est quand même une très grosse licence. Ici, c'est pas le jeu PSA, c'est le jeu PC. Donc, c'est l'édition Gamer. Alors j'en profite en même temps pour tester ma nouvelle souris. Hein. J'ai acheté une souris Maxter à 2400 DPI, donc ça fait vraiment plaisir. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Bon, quoi, on y va, les gars? J'ai ce qu'il nous faut, mais la fille elle est même pas là. Je crois qu'elle est buggée ou bien? Mon avis, elle est buggée là parce que c'est pas possible. Normalement, elle doit allumer un truc là. Allô, y'a quelqu'un? Comment on fait pour courir? Oh, je crois qu'on peut même pas courir encore. Allô, y a quelqu'un qui veut bien. Allumer la torche. Il est magnifique, déjà le jeu, je viens de le commencer, il vient de bugger, donc voilà. Je suis bloqué là, normalement il doit avoir la fille qui a disparu. Et le mec noir qui doit me donner un flag, et il a disparu aussi, donc le mec lui, je sais pas ce qu'il fait, il attend n'importe quoi. Coucou, salut, ça va? Donc je vais devoir relancer le jeu, magnifique. J'espère que la fille elle est plus buggée en tout cas. Ah, je crois qu'il y a du monde là-dessus. Ils m'attendent. Voilà. Lui il court en rond, lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, le jeu il est plus buggé. Donc hop, c'est parti. J'ai ce qu'il nous faut. Ben ouais, donc la fille elle était là à l'intérieur normalement. Et voilà, elle allumait quelque chose. Voilà, il me semblait bien. Puis du coup, lui il me donne le flag. Je connais le jeu par cœur, ouais, je sais. C'est pour ça que ça va être assez génial de le refaire. Parce que je connais vraiment le jeu par cœur et je vais savoir vraiment vous montrer tout en le moins de temps possible en fait. Tais-toi.
Il me faut juste une arme, toi. Alors, comment on vise? Déjà, par exemple, dans le jeu original sur PS2, on pouvait pas viser comme ceci. Donc ici, on doit, c'est un peu la merde en fait. On doit appuyer sur la barre d'espace pour sortir le flag. Parce que sinon, on est sans le flag. Hein. Donc voilà la barre d'espace et puis on doit appuyer sur la souris pour savoir viser. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Hein. C'est l'édition gamer. C'était beaucoup plus facile sur PS2, je vais dire ça comme ça. Et ici on a la fluidité d'un PC aussi, hein, on voit la différence, quand je bouge c'est vraiment hyper rapide. D'ailleurs j'ai même diminué la vitesse de ma souris qui est vraiment trop rapide, voilà je viens de la diminuer. Et oui j'ai une petite touche pour changer les DPI de ma souris pour de passer de 1000 à 2400, et oui, c'est magnifique, c'est magique. Donc là on doit appuyer sur, ouais bouger, voilà, allez dépêche-toi, je voudrais bien bouger là. Ah là, on est parti. Personne ne pourra me dire que le jeu n'est pas bien fait sur le coup pour les années où ils sont sortis. Je crois que c'est 2004. Donc il y a plus de 10 ans, vous imaginez le jeu, il y a plus de 10 ans quoi. Non, je dis pas que c'est un monde ouvert ou quoi que ce soit sur les jeux de... Enfin, un peu à comparer des jeux de maintenant, mais c'est un tracé complètement... comment dire, enfin c'est un tracé complet quoi, y a pas de, on peut pas aller où on veut, c'est une ligne droite, un point c'est tout quoi. On vit vraiment l'histoire du jeu entre guillemets, c'est ça qui est bien. Voilà, la porte elle est ouverte, il a fallu... C'est vrai, non, elle est pas encore ouverte. Il y en a où alors? Il y en a encore? Ah ouais. Putain, pourquoi ça trempe comme ça? Ah ouais, ouais, si, c'est le Kong. Kong avec gueule. Je demanderai bien où il est d'ailleurs. Ah ouais, non, c'est ça. Ta gueule. Oh putain, qu'une bestiole. Ça commence bien. Je l'avais oublié, celle-là. Je l'avais carrément oublié. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Bah, de toute façon, elle pouvait pas avancer plus loin, donc... Bon, c'est fini. On peut y aller, les gars, là. Parce que j'ai ouvert la porte pour hier, en fait. J'ai fait des tours pour hier, comme un connard. Et là, je vous attends, les mecs. Ah, il était tard. Ah, du coup, on a fait qu'un tour là, c'est vraiment déconné en fait. En fait, il court vraiment pas vite le personnage. Parce que là, c'est courir et là, c'est marcher. Donc là, on marche tranquille. Donc à la limite, on a le temps de voir le grain de sable qui passe en dessous de notre pied. Ah non, il dépose une caisse, FAI. Tu connais rien au jeu, toi, et tu ne connais rien. Voilà, allez, fais péter des armes. Hop là. Alors, je vais prendre ça aussi, c'est un os. Hop, voilà. Dégage. Tiens. Hop là. Je vais reprendre la nouvelle parce qu'il est un peu... Il fritille le mien. Bon. On est parti. Oh, il y en a plein là, des bestioles.
Ok, c'est réglé pour celui-là. Voilà. Et il y a vraiment quand même pas mal de différences avec, avec l'édition originale et l'édition. Comment dire, l'édition gamer, ça se voit parce que franchement, ça se joue aussi facilement que. Ah ouais! Ça se joue aussi facilement qu'un jeu de nos jours en fait, hein, c'est ça qui est vraiment bien. Alors j'ai essayé d'enregistrer aussi ma facecam avec la caméra même, hein, parce que d'habitude je la branche sur mon ordinateur, on verra la différence. Ça m'emmerde un petit peu, d'habitude ça bug et j'ai une qualité, je vais dire, médiocre, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ouvert. Allez, parti. Ah non, mais je me trompe, quel con. Je vais dans le sens contraire, moi. Voilà, on arrive à l'air libre, ouais, t'as raison. Des armes, parfait. Voilà, un os. Hop. Alors. Ah ouais, ils sont là en bas, ils vont se fracturer contre la montagne si je me rappelle bien. Je suis pas sûr, mais. Même pas. Mais j'ai oublié comment passer. Ah si, ça va là. Là, ça m'a l'air pas trop. Ouais, prod une. Hop là, voilà. Ah, hop là. Hop là, full feu. Full feu partout, qu'est-ce qu'il y a? Je l'avais sur ROM Station, mais il buguait à fond ce jeu-là. C'est un truc de fou, j'ai jamais compris pourquoi. Voilà, on est parti. Hop là, ouais, ici il va y avoir pas mal de bazar en fait, si je me rappelle bien. Il va falloir les Zola, ils sont où les trucs? Des scorpions, je sais pas quoi là. Des mille pattes, voilà ce qu'il va avoir. Des mille pattes, je suis sûr et certain, je m'en rappelle. Oh, ta gueule, ouais, de mettre un coup de truc dans la tronche, moi. C'est easy, va. Ouais. Les sensations, un coup de pic dans la tronche, moi. Bon, ils sont où? Allez, le premier, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah là là. Oh merde, j'ai loupé. Ah, il m'attaque. Wow, non, 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 je suis mort. Il m'a attaqué deux fois, le truc, je suis mort. Putain, merde. Quelle connerie. Ouais, je vais même pas me prendre la tête, là. Je vais lui envoyer le machet dans la tronche à l'autre, là. Hop là, et voilà. Et maintenant, mon flag, j'utilise. J'utilise que mon flag. Ouais, ben recharge, dépêche-toi, fille.
je vais pas mourir une deuxième fois, moi, comme un con. T'as recharge, recharge, recharge. Oh, je suis à sec. On peut y aller. Ouf, ça va. Faut des munitions. On part où on sort maintenant? C'est bon, des lames. Vous avez votre compte de sensations. Venez, Anne. On va tourner quelques plans devant cette statue. Monsieur des lames, on devrait plutôt s'occuper de retrouver Preston et les autres. Mais bon sang, vous avez raison. Il doit avoir au moins 3 boîtes de pellicules sur lui. On part où on part? Oula. Vite. Putain, je vais... Ça va, il est mort lui. Il y en a encore un là. Il y en a encore un, je le sais bien, mais où? Il se balade, il se balade. Il est là. Merde, j'ai loupé. Putain, lui aussi m'a loupé. Ah, je l'ai eu. Ouh. Ah, c'est par là qu'on devait aller, j'avais même pas vu quoi. Donc l'œil arrière, on est reparti. Oh putain, il y en a un là. Il va se rebouffer lui. Il est fou lui. Vas-y, arrête d'avancer, il y en a un là. Ah putain, ça va. Oh putain! Pouah! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Ah ouais, crétin, ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est cassé. Oh, voilà, il vient de se casser le bras, l'autre saisi là, puis on est reparti. Alors. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de munitions, hein, moi, putain! Eh les gars, j'ai bouffonne. Voilà, c'est bon, on l'a eu. On est reparti. Ah, on a un, voilà. Oh, on a attention. Ouais, c'est... Tais-toi. Tais-toi, fille. Zizi, elle était obligée. Elle était obligée de vouloir faire la saisie, va. Va falloir que je recharge. Et ça va casser, ça. Merci, Jack. C'est à vous maintenant. Soyez prudent. Ok. Et bouge-toi, Anne. Voilà, elle y va, elle. Tranquillous. Je suis cramé, moi, tu vois, voyou. Ok, ben, occupe-toi-en, parce que j'attends. J'attends que... Merde. Voilà, acheté, bestiole de merde. Oh, ça va. Hop là. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. Pas que ça à faire, hein, nous. Pas que ça à faire. Ouh. Oh, putain. Va falloir recharger. Deux chargeurs en réserve. Oh putain! Des araignées! N'y allez pas, Jack! On pourrait essayer de les attirer ailleurs avec de la nourriture! Et quoi comme nourriture, Faye? Ça marche! Profitons-en vite! C'est bon! Venez vite!
Et voilà, on avance encore un petit peu. Oh, attention, on va mourir. Bon, on est où là? Parce que je suis perdu, je suis perdu. C'est par là qu'on doit aller? Ouf, tu! Je vais arriver de près celui-là. Oula! Oula! Mini bug! Magnifique! Je suis complètement perdu, merci. Les qualités refaites par. Enfin, les qualités d'un jeu refait par. Fan à mon avis, parce que le jeu a eu la protection supprimée Starforge. C'est une protection de merde, je peux vous le garantir, qui fait foirer la plupart des PC. Oh, plein dans ton crâne mon gars. Oh, plein dans ton crâne mon gars. Ouais, mais dépêche-toi, on s'en fout de ton mur. Allons-y, les autres sont sûrement pas loin. Même le feu et tout est pas mal fait, c'est pas pixelisé ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment bien, franchement, y a rien à dire, hein. Bah, y a plutôt intérêt, Faye, parce que moi, je sais pas me défendre. À part repousser le bazar qui va me tomber dessus. Même pas, je serais même pas, il y a même... Je peux même pas bouger, putain, tu me fais bouffer, quoi. Ah putain, allez, sérieux. Ben ouais, non, attention, Jack. Ben ouais. Dépêche-toi, aide-moi, eh. Quel con, petit. Une conne. Merci. Viens les bazars, t'es. Vous êtes redoutable. Bon allez, on continue. On est reparti. Bon, ici, on va devoir foutre le feu au bazar, à mon avis. Enfin, moi, de toute façon, je vais foutre le feu au truc partout, ça c'est sûr. Alors. Oh putain. Oh. Tiens, prends ça. Ah, là, j'ai failli mourir là. Par où on passe? Ah, par là peut-être. Oh putain. Putain, je suis bloqué ou quoi? Ah non. Je vais tout cramer moi, tu vas veiller où? Attention, là-haut. Vite Jack, on file. Oh mon dieu. T'as des munitions? Deux chargeurs en réserve. Va falloir que je le charge. Quatre balles en réserve. Quatre balles? Mais t'es fou toi. Comment je vais faire moi? Il me faut... Déjà il me faut un pic. Ah putain de pic. Tiens, il me faut un pic en feu, il me faut un pic en feu, putain. Je vais rechercher un os. Ah voilà. Ah voilà, parfait.
Voilà. Bah heureusement, Rafi. Sky Island. On est parti. Anne, oh, vous l'avez vu ou pas? Ils ont dû accoster encore plus loin. Sérieux? Oh non, c'est pas possible. Comment on fait? On saute. Bah ouais, fais péter, fais péter. Fais péter. Voilà, merci, fille. Oula, oula, oula. Wow. Tout. Sale bestiole. Ah. Ça marche. Allons-y vite. Ouais, bah je te suis, mais si t'avances pas, moi je t'aurais pas avancé, Faye. Ah, parfait. Mais je crois que pour ce let's play, ça va être fini. Ce sera largement assez long. Et je continuerai ça la semaine prochaine. Allez, peace out, les gars!